Apôtre de toi, juste un mot à dire. Moi, à dire aussi la mort de notre frère Alain Moloto. Nous venons à tous les qui nous sont en Schengen, nous venons en Irlande. En tant qu'apôtre Alidor, on voit là en Irlande. Un mot à dire, c'est la mort de notre frère. Ouais, tu pas en même temps, c'est une perte. Et de l'autre côté, c'est un gain, comme je viens de dire pendant la prédication. Et que nous sommes au soir de l'église, je dis c'est la 11e heure. Il y a des ouvriers de la 3e heure, de la 6e heure, de la 9e heure et des ouvriers de la 11e heure. Il reste une heure de temps pour que nous arrivions à 12 heures. Et pour nous, 11e heure c'est 17 heures et 12 heures c'est 18 heures. L'heure d'où le Seigneur vient pour prendre l'église et que nous allons étudier, est en train d'élever des gens spécifiques qui viennent avec une mission spéciale afin de l'impacter dans le corps de Christ. Et Papa Alain Moloto l'a fait. Et il a accompli sa mission, il a fini son travail et Dieu l'a récupéré. Nous disons gloire à Dieu, mais sauf que nous disons à d'autres personnes ou à nous-mêmes que nous devons en tout cas être sérieux par rapport au travail. Parce que lui, il est parti, il ne reviendra plus. C'est nous qui allons le suivre là où il est parti. Et il dort là et nous prierons que nous aussi, un jour, que le Seigneur, quand il va nous prendre, et que nous irons aussi au ciel, que toute la gloire nous revienne. À Dublin, en Irlande, tout le corps de Christ s'est mis ensemble, et nous étions ici, nous avons célébré l'Éternel, et nous bénissons Dieu par rapport à ce qui s'est passé ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.